Ho, radical. Bon sang, mais quelle violence! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va jouer aujourd'hui à Simpsons Hit and Run sur PlayStation 2. Je l'ai sorti sur GameCube et Xbox normalement. Alors, c'est un jeu en fait un peu à la GTA d'une certaine manière, puisque vous allez voir, on est dans une ville ouverte, on va pouvoir sortir de la voiture, rentrer dans la voiture. Ça ressemble un petit peu à un Driver 2 si vous préférez, ou un Crazy Taxi en même temps. C'est un petit peu mélangé. J'aime bien cet écran de démarrage en fait, parce que vous avez certains personnages qui traversent le jardin tranquillement, au calme. Allez, c'est parti, on va faire un nouveau jeu. Le jeu est en français. Alors, que concours de hot dog disqualifié pour avoir vomi, étude 90% des jeux vidéo commence par les apprentissages. C'est vrai. Très bien, joueur numéro 1. Homer, utilise le pad analogique gauche pour te déplacer. Ça s'appelle marcher. Appuie sur la croix pour sauter 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 sur la croix pour sauter. Et sur le cercle pour courir. Quand t'es dans les airs, réappuie sur la croix pour sauter plus. C'est un bug audio. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas partout. Allez, donc X pour sauter, rond pour courir, on va faire continuer. Et là, on doit parler à Marge. Alors déjà, ce qui est pas mal dès le début, c'est qu'en fait, en gros, je suis pas obligé d'aller parler à Marge. Je peux faire ce que je veux. Et donc là, on est à Springfield. Ouh, salut. Salut toi. Alors... on va faire un petit peu le tour du propriétaire, hein, parce que cette maison... Ah, le cerveau aime bien les trucs brillants. Ouais, youpi. Ces trucs brillants, ça s'appelle des pièces. Quand tu en récoltes assez, t'as une surprise canon. Donc ce qui est pas mal, évidemment, pour ceux qui adorent la série... Alors honnêtement, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt marrant. Par contre, je n'ai jamais vu toutes les saisons, etc. J'aime bien comme ça, de temps à autre, regarder un Simpson, c'est assez cool. Il y a pas mal de ces bidules éparpillées à chaque niveau. Il y a des petites surprises à l'intérieur de chacun. N'oublie pas de revenir pour voir si t'en as pas oublié. Voilà, donc on a des petits trucs en fait qui font des... ça fait des... voilà, ça fait ça par exemple. Ça fait des petits gags. Là on se fait cracher du feu. Et quand on utilise les gags, en fait on récupère des pièces, allez voir, voilà. Là je peux par exemple mettre sur la balançoire. Et j'ai pas pu me mettre sur la balançoire, évidemment. On peut se balader un petit peu à l'extérieur, on va aller chez le voisin par exemple. Est-ce qu'on peut sauter là? Normalement on peut sauter. On a le double saut. Donc là je peux rentrer dans la cabane. Donc voilà, ceux qui aiment l'univers des Simpsons, c'est génial parce qu'on peut enfin y jouer en trois dimensions.
à la GTA avec On sait beaucoup de pas pourquoi liberté. ces choses sont apparues partout dans Springfield. On dirait qu'elles arrivent à chaque fois qu'un truc intéressant se produit. Ça se produit. Ça se produit. Bon, le bug audio, je suis désolé, mais malheureusement, ça le fait peu importe les modes. Alors, ce qui est bien aussi, voilà, c'est que le jeu, évidemment, a respecté les voix de la version française. Ça, c'est génial. Ils se sont pas fait le truc, on met la voix anglaise, puis on fait les sous-titres en dessous. Non, non, ils ont vraiment gardé les voix pour chaque pays. Alors, on va casser la petite pièce pour la petite caisse pour avoir des pièces. Donc là, déjà, je vais voir combien. Je suis à 100... 118 pièces, donc je vais en rater 2. Et vous allez voir, on a une sorte de journal, là. Alors, je suis pas à fond dans l'univers, c'est-à-dire que je vais sûrement rater beaucoup de choses parce que je connais pas complètement, complètement les Simpson. Mais ouais, on peut monter là, normalement. Un double saut. On peut vendre ça sur Internet. Encore quelques-uns. Et on peut récupérer des cartes à collectionner. Donc on a plein de petits mini-jeux à faire. On peut casser des trucs, je crois, en donnant un petit coup. On va se balader en ville. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire évidemment la première mission, parce qu'on va découvrir un petit peu. Vous voyez, là, on peut réparer les voitures. Quand on va traverser avec la voiture, normalement, on la répare. Parce que notre voiture peut s'abîmer. Allez, on va aller voir Marge. On peut courir. Voilà, avec Ron, ce que ça fait. Alors, je peux pas parler à tout le monde. Vous voyez, par exemple, là, je peux rien dire. À cause des mois, Dieu est de plus en plus furieux. Alors, c'est parti. Oh, merde. Quelqu'un a mangé tous les desserts qui étaient à la maison. J'ai besoin que tu ailles au magasin acheter de la glace avec des tartes miniatures à l'intérieur. C'est sûrement dû à un homme, probablement Milhouse. Alors, donc on doit aller au Quick E-Mart et aller à la... acheter de la glace et du cola. Des gâteaux. Des gâteaux. Alors, on va prendre la voiture. Alors, triangle, c'est marrant, c'est que c'est exactement comme dans GTA. Et c'est parti, donc... alors, vous allez voir, on a une petite map en bas. Assez réduite, hein, on peut pas trop voir... on peut pas bien voir autour, par contre. Et donc là, on n'a pas de temps limité, on va juste aller... jusqu'au magasin. Alors, on peut écraser des gens, et ça, c'est assez énorme. Et surtout, bah, il se passe rien, il n'y a pas de sang, quoi. Les gens, ils sont juste... projetés. Donc là, on doit rentrer dans le Kmart, mais ce que je vais faire avant, vous voyez, il y a une petite interaction à faire. Alors, j'essaie de pas trop couper les dialogues, parce que franchement, c'est souvent ce qui est le plus intéressant. Voilà. Et là, on a encore une abeille, on va la taper. Du coup, je récupère plein d'argent. Là, je peux encore sauter. On va juste récupérer toutes ces pièces pour voir ce qu'on peut acheter un peu plus tard. Ah, c'est plein de monnaie. Alors, on est sur PS2. On pouvait voir quand même. Bon, les graphismes, ça sied vachement à la période 128 bits, la première génération, parce que c'est des graphismes cartoonesques. Donc, concrètement, la console n'a pas trop de mal à afficher tout ça. Et puis, il n'y a pas énormément d'effets aussi, hein, au niveau des ombres, au niveau des lumières. Mais ce soir il n'y a pas besoin puisque c'est les graphismes du jeu qui veulent ça. Et franchement ça rend super bien. Regardez, je peux rester comme ça si je veux. Allez, on va redescendre et on va aller dans le E-Mart. Alors c'est marrant parce que E-Mart ça fait penser à Family Mart au Japon. Et un peu à Walmart aussi. La grande distribution aux États-Unis. Allez, c'est parti. Non mais c'est Apu. Hey Apu, donne-moi un cola et un autre pot de glace avec des mini-tartes dedans. Qu'est-il arrivé à la glace avec les mini-tartes que votre femme a achetées ce matin? Oh, je l'ai sûrement mangé, j'ai pas une très bonne mémoire. Toujours les petits traits d'humour assez sympa. Félicitations Homer, mission réussie. Retourne à la maison et parle à maman pour commencer ta mission suivante. Alors là c'est énorme. Je sais plus comment il s'appelle lui, mais en gros il est en train de braquer le mec. Attendez, je vais essayer de sauter. Je veux pas sauter, non. Il veut pas qu'on saute. Donc à mon avis, il y a peut-être un truc à faire si je vais derrière le magasin. Ça y est, on est dans le futur. Ça y est, on est dans le futur. Et là, regardez, je peux acheter des vêtements.
pour 100 pièces. Donc j'en ai 164 pièces, on va en profiter. 125, 150. Allez, on pourra le déguiser en quoi? En mumu. ah, ça fait vraiment le truc de le... Comment ça s'appelle dans les îles. Allez, on va en prendre une pour le plaisir. Voilà. Alors, je vois le menu start, ce qu'on peut faire. On a la progression, choix de la mission, on peut voir les cartes. Donc vous voyez, par exemple, on a le Homer la foudre. Homer doit abandonner son projet d'animal domestique pour s'occuper de sa botte magique. Alors, je sais pas ce que c'est. Et là, on a Homer contre New York. Le choix entre le jus d'érable et un soda sucré bien connu. Homer choisit le jus de crabe. Plusieurs canettes, malheureusement, il n'y a pas de toilette à proximité. Ah, mais ça se trouve, c'est par rapport à des épisodes qui existent déjà. Je sais pas. On peut voir la progression. Donc là, mission du scénario, je suis à 0. Mission bonus, 0. Course de rue, 0. Carte sélectionnée, j'en ai 2 sur 7. Et vêtements, 1 sur 3. Véhicule, 0 sur 5. Guêpe, on en a que 2 sur 20. Gag, 4 sur 15. Et niveau terminé, 12,3. Sachant que c'est le premier niveau. Et on peut choisir la mission. Ça, c'est bien dès le début. Et on va voir les options. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le son, les réglages. Caméra saut, inverser les contrôles caméra. Radar auto, vibration, apprentissage. Ok, on va garder comme ça. On va continuer. Et on va sortir du magasin. Alors là, c'est pas quelque chose sur le côté. Oh, il y a des trucs d'arcade. Oh mince, elle n'a pas dû. Ouais, je suis pas très fort pour la voix d'Homer, désolé. J'ai l'impression d'être encore plus lent avec ce truc. En portant ce moumou. Alors, on va sortir un peu. On a des cabines téléphoniques. Vous voyez, on a un petit logo sur la carte. Donc on peut répondre au téléphone. Pour l'instant, ouais, non, je peux tourner la caméra si je veux avec le joystick. On va récupérer la voiture, on va aller voir Marge. On y va! Hey Marge! Allez, c'est parti! Vous voyez là, j'ai cassé un petit peu la voiture. Alors, si je fais L2 et R2, je peux voir en arrière. Et vous voyez, j'ai le capot qui s'est un petit peu surélevé avec mon choc. Donc, il y a quelques petits dommages. Pour freiner, c'est horrible. La voiture, elle freine pas du tout. On va aller voir Marge. Homer, Lisa est partie à l'école sans son projet de science. Tu peux le lui apporter? Ah, il le faut vraiment? Tu peux le déposer en allant à ton boulot. Et je dois aussi aller bosser? Putain, c'est génial. Ah, j'adore franchement l'humour Simpson. Allez, on doit aller à l'école. J'imagine que c'est par là. Ok, c'est parti. Ah, y'a Skinner, d'accord, qu'il faut arriver avant lui. Donc c'est parti. Dégage, minable. Ah, mes fesses. Alors, est-ce que je peux gruger? Ah, il s'est pris le... Il s'est pris l'autre voiture, c'est parfait. Alors, on a un petit GPS quand même en bas qui nous dit qu'il faut aller plutôt vers là. Une sorte de petite flèche. Sinon, on a les tracés sur la route. Ça, c'est marrant parce qu'on peut vraiment... tout cassé. Ouais, c'est vraiment un GTA like, hein. Franchement, je le trouve plutôt bien. Allez, on sort de la voiture. On va courir. Et on va lui ramener à l'école. On regarde un petit peu les détails quand même, parce que ça fourmille pas mal. Là, je peux pas rentrer pour l'instant, ça va bloquer. Ma maquette du système digestif. Hé, où est passée la vésicule biliaire? J'avais faim et c'était une figue. C'était de la pâte à modeler. Au fait, pas. Maman a appelé. Elle a dit qu'elle devait te parler à la maison avant que t'ailles au boulot. Tant. C'était trop festoche. Allez, on a réussi. Je vois ce qu'on peut faire dans la... Ah bon, on peut acheter des trucs encore. Laisse-moi tranquille, je calibre les rapporteurs. Attends.
Allez, j'installe les plaques d'amiante. Va à Shelbyville et vole des bouquins de maths pour moi. Ah, plus rien. Alors, est-ce qu'on peut... Je suis sûr qu'on va glisser si je veux. Non, c'est bon. Là, je suis bloqué pour le moment. Je pense qu'on peut débloquer peut-être d'autres parties plus tard. Restez calme, les élèves. Tout est normal dans l'école. Mon autorité en tant que proviseur est totale. Allez, c'est parti. On va voir... On va aller voir Marge à nouveau. À la limite, on va visiter un petit peu la ville quand même. Oh, regardez, on a un jeu de... Je vois un dé, là. De toute façon, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Course 4 défi. Faites un tour complet dans le temps imparti pour gagner des pièces. Bon, on va essayer. Hein. Oh, il y a un petit pont. On peut réparer la voiture. Ouh, le saut pas mal. Alors, maniement, il est assez particulier parce qu'en fait, il y a une sorte de délai. Quand j'accélère en fait et que je relâche, j'ai l'impression que ça accélère encore un petit peu. Bah, ça fait vraiment voiture américaine dans le sens où... J'ai l'impression qu'on dirait une barquette, quoi. Je sais pas le niveau du jeu, par contre, s'il est difficile ou pas, on va le voir là. Hein. Et comment on fait marche arrière ? Faut que j'aille là ? Ok. Alors évidemment, plein de références que vous devez connaître si vous aimez les Simpsons. Et si vous regardez surtout beaucoup les Simpsons, parce que moi ça me rappelle pas forcément tout. Ah ! On est dans l'usine là, on n'est pas au boulot d'Homer là par hasard. Sympa en tout cas le tracé. La ville est quand même plutôt grande, ça c'est aussi si bien. En plus, l'IA essaie de nous éviter, vous voyez les voitures sur le côté, elle essaye de... de pas se cracher sur nous. Oh, elle est sortie, on est carrément dans la campagne. Non! Allez vite. J'espère qu'on va réussir. Je me suis tellement loupé que. On a perdu beaucoup de temps. Alors je sais pas si on peut pas prendre d'autres voitures. Pour l'instant on a que la voiture d'Homer. Mais je pense peut-être qu'on peut piquer la voiture d'autres gens. Enfin si c'est vraiment comme GTA, il y a moyen qu'on puisse. Après je suis pas certain non plus. Là, j'ai tué un arbre. Là aussi. Ok, donc là on refait un tour de circuit. Heureusement on va pouvoir réparer bientôt. Ben, je pense qu'il y a encore l'icône de réparation. Je sais pas combien de tours je suis censé faire. Dégage de là, toi. J'ai pas d'assurance. J'ai pas d'assurance. Ouais, c'est bon, ça passe toujours. Non, c'est plutôt agréable. 3 minutes 15, ah c'est bon. Eh ben on a réussi. Je vais gagner. Je vais gagner. Du coup, on va aller voir Marge. Les Simpsons. Voilà, donc c'est bon, on a les flèches pour se diriger. On va rentrer à la maison. Ça fait mal. La voiture est complètement démolie. Faudrait voir l'émission téléphonique aussi, ce que ça fait. Alors, je vois pas de carte de la ville entière. Je sais pas s'il y a moyen de la voir si je fais ça. Ah, si je fais select, ça me remet, d'accord. Okay. Je
J'avais les mouchwingem. Oh, regardez, on a quelque chose à cacher là. On va voir si on peut le faire. Parfait. Ça fait penser un petit peu au bloc SSX. D'ailleurs, on va voir ce qu'on peut faire dans cette zone. J'ai l'impression justement que... Il y a un parc. Oh, on a un buzz cola aussi. Douleur à la poitrine, douleur à la poitrine. Allez, on va passer par là. Ah, mais il y a une abeille là. Voilà, on récupère plein d'argile. Voilà, nickel. Ah, je peux faire un... Ok, je peux faire un saut. Et regardez, quand je vais retomber... Et là, je vais faire un... Voilà, un coup vers le bas. On va récupérer la voiture. Qui est complètement naze d'ailleurs. La voiture est complètement morte. Je vais voir si on peut pas la réparer. Ah là, là-bas, il y a quelque chose pour la réparer. C'était du gâteau. Mmh, attendez, il y a un truc à faire là, chez le voisin. On va récupérer les pièces. Alors que j'imagine que c'est un jeu plutôt pour les... Bon, pour les passionnés évidemment. Et puis pour les enfants quand même, de certaine manière, parce qu'il y a quand même pas trop de violence. Enfin, faut le dire vite quand même, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de... d'actions un peu tendancieuses, hein, comme écraser les passants. Qu'est-ce qui se passe si on va là? Désolé, cet abri est occupé. Bon, tant pis. Alors, on va revenir. Allez, marche arrière. Alors la caméra des fois est un peu bizarre. On va... Voilà, réparer la voiture et on va revenir voir notre femme. Cool, on va pouvoir rentrer de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la caméra. On peut jouer à la console? On peut jouer à la télé? En direct pour l'œil de Springfield. Nous voici maintenant dans les studios de Krusty. Bon, ok. Allez, on va lui parler. Mère, va parler à Ned Flanders. Il a l'air fâché. Pourquoi moi? Je suis le meilleur voisin du monde. J'ai même une tasse pour le prouver. Sortez dehors. Alors, sortez à l'intérieur, je pense que ça va être compliqué. Attendez, je veux visiter la maison. Pourquoi j'ai venu ici déjà? Ah, c'est dommage, on peut pas changer la caméra. Il se passe quoi si je fais triangle? Je vis triangle, là. Ah non, c'est juste pour sortir. Ok. Allez chez Flanders et parler à Ned, ok. Ah mais Flanders il est juste à côté, non? Ouais. Hey, je suis là, Homer. Il y a tellement de choses qui ont disparu que j'ai appelé la police pour qu'ils trouvent le coupable. Coupable, hein? Ma tondeuse, ma glacière, mon transat, un portrait de famille, même de famille, même de famille, même de famille, même de famille. C'est un petit bug, vous l'aurez compris. Même l'inhalateur de Rod. Quel genre de malade peut bien voler? Oh non, j'ai emprunté tous les objets de Flanders. Vite, il faut trouver une excuse pour filer d'ici. Je suis désolé, je dois aller grainer du maïs. Alors, trouver les 6 objets perdus de Ned avant la fin du temps imparti. J'ai la zone du bikini qui me taquine. Trouver le costume de Flanders. Ok. Bon, là, il va falloir chercher du coup.
Trouver la tondeuse de Flanders, ok. Ah oui, parce que c'est quand même un jeu axé sur la conduite, hein, puisqu'on va devoir beaucoup utiliser notre véhicule. La cire de Flanders, je l'ai donnée à Barnet. Ma vengeance sera terrible. Attendez, il y a un truc là, je l'ai pas pris. C'est quoi, c'est ça? Un garçon plus âgé m'a dit de le faire. Tu te souviens de... Ah mince! Je l'ai tapé, j'aurais peut-être pas dû, mais sinon c'est bon, c'est passé quand même. Allez, on va revenir. Surtout, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, c'est dommage. Ah, il y a encore un truc à récupérer. Presque fini! Maintenant, il me faut la photo minable de Flanders avec sa famille minable. Avec ta famille minable! Putain, j'adore la voix d'Homer, franchement. Maintenant, le dernier. Où j'ai bien pu mettre l'immonde inhalateur de Rod? Mais oui, sur les capots d'un camion d'œuf. Ah bah ça, on y est déjà allé. Donc du coup, on pourrait y retourner. Ça sert à quoi? Maintenant, rapportez ce truc avant que la police ne me trouve ici à parler tout seul. À parler tout seul. C'est génial. Allez, go! Non, franchement, j'aime beaucoup ce jeu. C'est la première fois que j'y joue. Enfin, j'ai juste commencé un tout petit peu le jeu pour voir si tout fonctionnait bien. Donc, j'étais un petit peu au courant des bugs audio. Mais ça, évidemment, c'est comme tout. Hein. C'est l'émulation. Mais je trouve ce jeu vraiment génial. Parce qu'il y a un côté apaisant de jouer à ce jeu. C'est-à-dire que c'est pas spécialement trop stressant. On va parler à Ned. Dommage que j'ai pas un chien avec une selle. Eh ben. Flanders, regarde, j'ai trouvé ce que t'avais égaré. Maintenant, à propos de la récompense... Merci, super voisin. Voilà ta récompense. Une prière du fan numéro 1 du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, bénis ce noble... Stupide Flanders, il trouve son bonheur dans la religion. Alors... Bon, on a Flanders qui se balade. Allez chez les Simpsons, donc on va retourner chez nous. Bon, ça c'est fait. Après, alors, est-ce qu'on a autre chose à faire d'ailleurs autour? Ah bah si je fais rien, il fait limite le AK quoi. Allez, on va aller chez nous. Hop. Alors, parlez à Marge. Homer, t'es en retard pour le boulot. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton évaluation avec Monsieur Smith. Ah, il va trouver ma ferme de scorpions. Et après, ils vivront où, mes scorpions? Une seule personne peut m'aider, Lenny. Ah, le véhicule, on l'avait laissé. Ouais, on avait laissé à l'autre bout. Donc, en gros, on va aller chercher. Hey. J'ai retrouvé mes nachos. Hello, Cruciburger. Ah. Me fais pas un procès. En ce moment, c'est qu'on gagne des pièces en explosant des poteaux. Ça, c'est aussi. C'est comment que ça arrête? Ce freinage en bois, quoi. Hey, Homer, un churro pour ton petit-déj? Pas le temps, dis-moi où est Monsieur Smithers. Je crois que je l'ai vu au Quickie Mart. Cool, plus de churros pour Lenny. Il va me falloir une bagnole avec plus de camelotes dans le coffre si j'ai le sort. Je me demande si Barnet a toujours sa charrue. Pour termination, vous devez conduire le super chasse-neige. Achetez-le à Barnet à la station essence pour 150 pièces. Important, utilisez les cabines téléphoniques pour accéder à vos voitures. Ah! Ok, pas de problème. Alors on va acheter du coup... Bah c'est juste à côté en fait. Barney, je peux t'emprunter ta charrue? Prends ce que tu veux, lutin sexy. Tire pas sur moi avec ton maudit pistolet. Si tu veux. Et tu veux.
Ah, 150 pièces. Bon, heureusement, on a assez. Allez, on va faire acheter. On voit les statistiques aussi. Bon, trop tard. Du gâteau. Il est où le véhicule? Il est là. Ok, alors déjà, on sent que c'est beaucoup plus lourd à manier. Il y a un truc qui... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il essaie de... Ah oui, chasse-neige, donc en fait il met du sel. D'accord, ok. C'est une déneigeuse en fait. Pas une déneigeuse. Une sableuse. Exactement. C'était comme ça que je suis arrivé. Comme elle fait que glisser, quoi. Allez. Ah, il y a un raccourci que je prends jamais en fait. Je pourrais couper carrément à gauche. Saleté de châtiment karmique. Plus j'ai détruit le véhicule. L'impression d'ignorer la vitesse limite. Et là on va le toucher, c'est terminé. Ma décapotable, je viens de la lustrer et de la briquer. Voilà ce qui arrive quand on me demande de faire le boulot pour lequel je suis payé. Allez, on va... Oh, à la centrale, ça c'est bien. Où travaille Homer? Enfin, où travaille entre parenthèses Homer? Je suis le méchant. Alors je sais pas si on peut retourner les véhicules, j'ai pas l'impression. Non mais ça va pas, non? J'ai aucun moyen de freiner avec cette voiture. Enfin avec ce camion. L'erreur est humaine. En tout cas niveau... Niveau dialogue, etc., ils ont dû douiller, hein, parce que le nombre d'acteurs qu'ils ont dû faire jouer pour le jeu... Alors donc apparemment les téléphones servent à ça, hein, c'est juste pour changer de voiture. Je croyais que c'était des missions, mais en fait, pas du tout. Saleté de châtiment karmique. Vous voyez pas que je conduis? Ah oui, c'est tirer les jambes et l'entrejambe. Bon bah voilà au boulot. Douleur à la poitrine, douleur à la poitrine. Alors est-ce qu'il peut courir indéfiniment? Je pense pas. Ah si, pour l'instant ça a l'air de... J'adore appuyer sur des trucs stupides. Par contre la caméra là... Caméra 1, caméra 2. Non, ça fait rien. J'espère que ne pas appuyer veut dire appuyer tout de suite. Ok. Donc là, on est dans une phase de plateforme. Waouh. Je suis censé aller où là? Aïe. Attendez. Je suis censé aller où là? C'est pas là qu'il faut aller? Ah ben voilà. Comment dormir avec cette caméra? Ouh, des filles canons me regardent pitait sur internet. Maudite caméra, vous devriez être détruite. Je vais vous anéantir à votre source de courant. Alors, détruisez tous les relais électriques avant la fin du temps imparti. C'est l'heure de se cracher.
Sortez du bureau. Ok. Je rangerai ce foutoir tout à l'heure. C'était si génial, comment j'ai réussi à te casser? C'est pas comme si quelqu'un aimait ce genre de choses. Oula, attention, hop, un petit saut. Stupide comme un renard. Oh, je vois rien. Je vois rien, la caméra est ignoble. Regardez-moi cette caméra. Bon, on va ressortir. Je suis un peu bloqué en plus. Attention là. On va essayer de passer par là. Il faut que je fasse un double saut. C'est si génial, comment j'ai réussi à te casser? C'est pas comme si quelqu'un aimait ce genre de choses. Je vole comme un emballage de bonbons dans un courant d'air. Ok, donc là on a deux pales. Oh, purée. Comment je vais faire pour casser? Dois jamais plus courir. Comment je vais faire pour passer par là? Ah, la caméra qui veut pas. Donc il y en a un là-bas, ok, on va recommencer. Il me reste 1 minute 30. Ok, il faut que je passe par là. Oh non. Allez, on recommence. Oh, les cours, cours, vas-y Homer, tu peux le faire. Ah, j'ai besoin d'une sieste disco. Une minute doit être faisable, mais il faut vraiment que je me grouille. Allez, et d'un. Stupide comme un renard. Et là. Ah, la caméra, bon sang. Retournez à votre bureau pour une sieste. Ah ouais, il n'y a pas de dégâts de chute aussi. Ah, j'ai la zone du bikini qui me taquine. Je vais enfin pouvoir dormir. Fainéant sans cervelle, retournez dans vos immondes familles. Tout le monde est nul sauf moi. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, apparemment, il fallait pas faire ça. Est-ce qu'on peut casser ça? Non. Oh, regardez, il y a quelqu'un là. Il y a un mec qui est mort. Génial. Allez, on va passer à la suite. Il faut rentrer à la maison, ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut découvrir par là? Oui, par exemple, on a une flèche rouge. Douleur à la poitrine! Douleur à la poitrine! Pour une fois qu'on peut visiter la centrale, autant profiter. Alors, on va rentrer par là. Oh là, la caméra, bon sang! Alors s'il y a un vrai défaut, pour le moment c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par là? Y'a rien, y'a rien. Téléphone. Jamais plus courir. Ah donc voilà, je peux appeler des voitures. Regardez, on a quoi comme autre voiture? On en a une là, on a un camion pick-up, camion de def, van de surveillance et la berline familiale. Bon, on va prendre le... Tu peux venir me chercher, je te masserai le dos en échange. Voilà. On peut faire donc popper la voiture où on veut, ça c'est bien. Petite marche arrière et on retourne à la maison. Enfin, on aurait presque pu. Mon dieu. Alors attendez, parce qu'on a quand même... Il y a un truc qui m'intéresse. C'est ça, c'est les distributeurs de boissons. On va voir ce que ça fait.
j'ai besoin d'une sieste disco. Ah oui, d'accord, c'est comme des caisses, ok. On peut tout récupérer. Et on va retourner à la maison. Ah, j'ai la zone du bikini qui me taquine. Allez, on va faire une petite dernière mission. Et puis on s'arrêtera là. 40 minutes de jeu, ouais, ça va. Est-ce qu'on peut aller là? Attendez. Aïe! Je sais pas pourquoi, je suis persuadé qu'on peut rentrer dans cette zone là. Ah non, je pensais. Je me suis cassé quelque chose. Je suis une bête de vitesse impitoyable. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais. Ça marche. Ah, c'est vraiment plutôt permissif. Oh mince! Vibration chatouille les pieds. Ouais, faut vraiment sauter par-dessus, sinon ça marche pas. Les plus grandes toilettes, regardez-moi ça en haut là, c'est une cuvette de toilette, ça n'a aucun sens. La conduite irresponsable, c'est ma bête noire. On récupère des pièces, ça nous fait un joli raccourci. Il me propose de l'argent pour faire une course, j'imagine. On peut casser ça aussi. Alors on va rentrer là, juste savoir ce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Voilà, bah par exemple, là on a ça à casser. Bon bah écoutez, pour le moment je trouve le jeu plutôt sympa, hein, vraiment, hein, je vois pas, je trouve pas trop de défauts hormis la caméra. Asseyez-vous sur le canapé. Il semble créateur barbu du célèbre dessin animé dans une prison péruvienne. Les citoyens de notre ville sont consternés de la découverte de caméras de surveillance dans la majorité de nos rues. Nous allons donc à la mairie où le maire Quimby répond aux questions d'une foule enragée. Ces caméras miniatures sont une honte. Espionner les cabines d'essayage, les salles de bain et les vestiaires de nos femmes, c'est impardonnable. Je crois que je parle au nom de tous les habitants de Springfield quand je vous dis où sont les séquences sexy. D'autres nouvelles inexpliquées. De bizarres camions noirs sont apparus dans toute la ville. Marge, ce camion noir nous espionne. Oh, Homer, t'es tellement sexy quand t'es parano. Enquêtez et suivez le van noir, ne le laissez pas filer. Ok. J'irai boire un bon coup. Alors j'imagine qu'il faut pas que je sois trop près de lui. J'ai pas d'assurance. Non, je pense qu'il faut juste le suivre. C'est pas trop une filature, hein. On est juste à côté. Salut, je te suis, attention. En plus je fume, donc c'est parfait. Je suis très discret. Il fait n'importe quoi. Mangez pas du bœuf, ok. Oh, il a cassé pour moi. Oh, on a droit à une caméra et tout, ça c'est bien. Là, ça me fait penser que c'était dans Need for Speed Underground 1 qui avait ça. Oh, comme par hasard, ça vient de la... ça ne viendrait pas de notre centrale. Par contre, j'espère que la voiture va tenir. Là on est vraiment
La voiture est plutôt cassée. Pardon, est plutôt cassée. Ah ben non, on va ressortir. Alors Monsieur Burns est derrière tout ça? C'est tellement lui l'espionnage diabolique, espèce de squelette de babouin tout fripé. Allez, mission terminée. Bon bah écoutez, enfin allez, on va faire un petit tour là vite fait, mais je pense que je vous ai un petit peu montré le principal. Faut que j'aille à l'épicerie. Bon, on va juste aller à l'épicerie voir ce qu'il nous demande. Puis, oh regardez là il y a un seau, on peut couper. On va réparer la voiture d'ailleurs. Oh mon dieu. Regardez-le avec sa voiture lui. À côté, je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut rentrer dans les baraques? Non on peut pas. Ça aurait été trop bien, mais on peut pas. Alors. Passer par là aussi. Oh il y a un petit chemin, on peut passer sous le pont, d'accord. Aïe. Ah, il y a encore quelque chose à casser là. Vu qu'on s'est loupé, on va sauter. Oh, il y a la prison de Springfield là-bas. Est-ce qu'on peut y aller? Attendez, je vais quand même voir là-bas. Ah, on a le terrain de baseball. Ah, la prison de Springfield, j'ai pas l'impression qu'on puisse pour le moment. On va quand même essayer, mais je vois pas de zone pour y aller. Il y en a encore un. On va faire le tour. Et on va aller à l'épicerie. Juste pour savoir ce qu'ils nous auraient demandé. Ah, il y a Marge. Ok, d'accord. Ça faisait pas partie. Monsieur Burns espionne tout le monde. Il faut le suivre. Pas maintenant, Homer. Il y a un nouveau jeu vidéo très violent en vente en ville. Il faut qu'on s'en débarrasse avant qu'il ne pervertisse des enfants avec ses bips et ses bops. Mais ce jeu a l'air dément. C'est pour ça qu'il doit être détruit. Enfin, je crois. Rentrez dans le camion de livraison et prenez les jeux Bone Storm avant la fin du temps imparti. D'accord. Je ferai de mon mieux. Oh, on a une nouvelle voiture. Ça, c'est bien. Allez, 3 minutes. Bon, on va faire cette mission et puis on... Il m'a presque pincé. Oh, je me suis loupé, mais comme une grosse bouse. Ah, mon derrière. Alors, ce qui est bien, c'est que si je reste collé au camion... Je crois que je me débrouille pas très bien. Ah, je suis en train de faire le tour. Allez, 2 sur 10. J'ai failli renverser ma glace. Ah, il faut vraiment que je lui ai de la marge pour je taper une bête de vitesse le camion. On l'a récupéré. J'espère que le camion va pas rester bloqué. Souvenez-vous, Stuntman. Il est passé où? Il est là. Mon assurance. T'es prêt toi à avoir un journal à l'envers sur ta tête? Allez Marge, reste fidèle au plan. Ah mais là on compte, là c'est Marge qui conduit en fait. D'accord, donc en fait on incarne Marge, on incarne pas Homer. Bon ça va, il suffit juste de le taper. De rester collé à lui pour prendre le paquet directement. Et je dis ça et en fait je me loupe. Et ben voilà, on a réussi. En plus, on a réussi juste devant chez nous. Si seulement les enfants jouaient plus souvent à des jeux où on apprend à partager. Marge, tu sais que je déteste faire des projets dingues. Maintenant, excuse-moi, je dois espionner mon patron. Je suis trop génial. Oui, trop génial.
GNIL, je veux dire GNIL. Bon ben voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Donc, bah, en résumé, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un jeu qui est plutôt bien fait, graphisme nickel. Le jeu est plutôt beau hein, pour la PlayStation 2. Les voix en français, ça c'est génial aussi. Le scénario, bon, a l'air plutôt marrant. Donc pas mal de points d'humour aussi. Le maniement est plutôt correct. Gestion des dégâts, gestion des collisions, on va dire que c'est cartoon, hein. Enfin c'est arcade, mais c'est ce qu'on recherche dans ce genre de jeu. Donc pour moi, c'est un jeu plutôt bien, vous l'aurez compris. Allez, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.